Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on est sur le circuit des écuyers que vous voyez juste derrière nous et on est venu faire du drift avec ma petite MX-5. On va voir ce que ça donne, normalement ça devrait être rigolo. On est venu avec le copain Spinergy, lui aussi il va apprendre, c'est la première fois qu'il va faire du drift et en plus il fait ça qu'avec les mains. Regardez, c'est lui le petit bougre. Et on est venu aussi avec un ami, Frédéric Ouivet, qui va nous coacher puisque c'est un pilote qui va faire les championnats de France de drift et on va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. Regardez, enfin, on a déjà un petit peu sali, hein. On a déjà fait un petit peu de terre. Bon, le but, c'est quand même de rester sur la route. On va voir que c'est très rigolo comme voiture. Allez, c'est parti. Temps de faire un petit tour. Donc, la petite MX-5, donc c'est une 2 litres performance. Donc, l'avantage de celle-ci, c'est qu'on a le pont autobloquant à l'arrière et ça aide vraiment pour la glisse. On a la GT3 RS et aujourd'hui, sur cet événement journée circuit, on a vraiment un très très beau plateau. Donc on a le Gugus, le propriétaire de cette GT3 RS. Et regardez, il a déjà bien commencé, il en a mis partout. Et là, il manque un petit bout de lame qui restait sur le circuit. On a une belle McLaren Z4 et il y a un beau plateau Porsche aujourd'hui avec pas mal de GT3. Une autre GT3 RS qui se trouve juste là. On a de la Porsche, puisque au final c'est quand même des propulsions même si c'est le moteur en arrière. De la BM, de la Porsche encore, de la BM, et on a ça. Il y a quand même quelqu'un qui est venu en Ferrari, et ça c'est assez cool de voir ce genre de voiture totalement en travers sur la piste. Et voilà le plateau sur le circuit des écuyers, donc c'est une journée arrosée. On a le tracteur juste là qui fait en sorte de pouvoir mettre de l'eau, surtout dans les virages, pour ne pas user trop les pneus. Aujourd'hui, on va essayer de faire du drift donc avec ma petite Mazda MX-5. Donc c'est une 2 litres performance. On a le différentiel autobloquant, c'est une propulsion. On va voir, j'espère que la copilote, elle va pas avoir trop peur. Moi, je croise les doigts puisque... Bon, d'accord, ok, j'ai déjà fait un petit peu de glisse. On va essayer de se faire un petit truc cool. Donc on a une journée circuit organisée par Greg. Donc j'ai pas pris de cours encore et on va voir si il y a un petit peu d'évolution une fois qu'il va me coacher. Et je vais vous mettre ça en vidéo aussi. Il va nous apprendre un petit peu les bases du drift. Donc pas forcément juste du power slide, mais un petit peu les entrées et comment mettre en dérive la voiture et comment ressortir d'une dérive et pouvoir se remettre droit bien en ligne. Bon bah voilà, allez, c'est parti. On rentre sur le circuit gentiment. Donc on a une belle ligne droite, on est aux écuyers. Donc la ligne droite, pas de drift, puisqu'on a l'entrée, et donc on a un petit peu de verglas. Ce matin il faisait moins 1 degré, donc il y a quelques virages qui sont encore verglacés et on va quand même pouvoir s'amuser assez gentiment. L'herbe. Ha 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 ha
c'était stylé. Mon échappement et donc j'en ai racheté un bout parce que j'ai un intermédiaire qui s'est cassé et c'est pas arrivé, donc j'ai mis du scotch et ça tient par je ne sais quel miracle. Lui il dit super, super. Oh. Allez vas-y mon gars, fais pareil. Voici avec mon coach ici là, c'est lui là, il s'appelle Frédéric Ouivet, il a un Instagram, je vous le mets, attendez, par là, donc en gros il va me guider un petit peu aujourd'hui et en même temps il va me faire découvrir le drift parce que moi je drift un petit peu n'importe comment et je pense que tu vas pouvoir me donner les bonnes règles, les bonnes bases. Ouais. Voilà. Et toi donc tu connais un petit peu le drift. Tout à fait. Parce que cette année en 2021 tu vas faire les championnats de France de drift. Exactement. À bord de une Nissan Skyline, okay, qui a été donc entièrement préparée pour le championnat de France de drift, okay, pour la saison 2021. Cool. Donc ouais, plutôt cool. Suivre. Super. Et on ira peut-être sur une manche avec Fred un jour. Ça pourrait être cool. Carrément. Découvrir un petit peu tout ça et tout cet univers du drift, qui est vraiment un milieu très très sympa et on n'a pas forcément l'habitude de voir ça en France. C'est vrai. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites aussi et on essayera de se faire une petite manche ensemble. Avec plaisir. Voilà. Donc en gros, alors le drift, c'est quoi concrètement? Donc là, on va travailler de la mise en dérive avant de parler de réellement de drift. Hein. Clairement, on va faire en pilotage donc de la mise en dérive. Il va falloir avoir des actions précises à des moments précis. Okay. Si tu respectes chaque action une à une, tout va très bien se passer. Okay. Il faut prendre son temps pour valider les étapes les unes après les autres. Si tu veux tout de suite aller trop vite, c'est tout de suite n'importe quoi, on risque de faire des têtes à queue, on est sur un véhicule avec un empattement en plus très très court, donc dès qu'elle prend beaucoup d'angle, c'est pas évident de la rattraper, hein. On a des trains avant qui sont d'origine, ta voiture est entièrement d'origine ici. Complètement. Donc il faut savoir prendre le temps. Oui, volant à droite. Voilà, volant à droite et il faut allumer les lumières. Et ouais, il faut savoir prendre le temps. Ok. Donc, dans un premier temps, il y a plusieurs techniques de mise en dérive. Mais il va falloir appliquer la méthode au frein. D'accord. D'accord. Donc je vais te demander donc d'arriver dans ton virage avec du frein, d'inscrire ton véhicule dans le sens du virage, donc braquer pour pouvoir tourner. Hop, c'est tout bon. C'est tout bon donc. Sur circuit pour rentrer, on monte le bracelet à chaque fois. Exactement, ouais, à chaque fois. Qu'on peut y aller, qu'on a le droit. Exactement. On vérifie bien. Voilà. Les personnes, lorsqu'on s'insère. On a bien l'accès, tout à fait. Et pareil. Donc là, on est sur une piste arrosée en plus. Complètement. Donc l'adhérence est assez variable. En plus, aujourd'hui, il fait assez froid. On a une météo un petit peu. Il neige pas encore pour ça le moment. Peut-être que cet après-midi, on va avoir de la neige. Peut-être. Selon ce que la météo a prévu. Et du coup, avec une adhérence un petit peu aléatoire comme celle-ci, si on ne valide pas bien les étapes, très rapidement, on peut avoir le train avant qui glisse. Alors qu'à l'inverse, on veut avoir une glisse du train arrière. Donc il faut réussir à trouver un petit peu cet équilibre et valider bien les étapes une à une. Ok. Donc on va déjà voir un petit peu comment toi tu procèdes. Ok, alors moi je fais n'importe quoi. Eh ben fais comme tu as l'habitude de faire, puis au fur et à mesure on va voir un petit peu. Alors j'arrive pas assez vite je pense. Donc frein,
là, et ce moment. Hop. Ok, donc déjà, première chose, tu as pu voir que à partir du moment où tu es arrivé avec un petit peu de frein, que tu as commencé à braquer, la voiture s'est inscrite, tu as rajouté toi de l'accélérateur pour faire pivoter ton arrière au moment où il aurait éventuellement fallu enlever un petit peu de volant. Ok. D'accord ? Pour pouvoir faire pivoter ta voiture. Ensuite, tu as attendu avant de contre-braquer. Par contre, tu as quand même eu ce réflexe de contre-braquage. Il faut savoir que le contre-braquage, c'est quelque chose qui est naturel. Okay. On sait tous le faire. Quand tu vois une voiture qui sort hein, sur le bas-côté, ouais, en général, les roues, elles sont braquées dans le sens inverse. On essaye de rattraper, ouais. Exactement, on a l'instinct. Par contre, c'est le timing qui est difficile. Okay. Donc, il faut trouver ce timing de contre-braquage. Okay. Allez, je te laisse un petit peu travailler. On voit un petit peu ensemble ce que ça donne. Donc, extérieur pour rentrer dans le virage. Exactement. Pour le moment, ne te focalise pas trop sur les trajectoires. On arrive avec du frein. Coup de volant, enlève du volant. Là, tu vois, ton train avant est complètement saturé. C'est ce que je disais un petit peu au début avec la piste humide comme ça, c'est pas évident. Allez, prends un peu de rythme. Très bien. Frein, coup de volant, enlève du volant et reprends tes gaz. On sent que l'arrière veut partir au moment où on redresse justement. Exactement. Et on enlève. Très bien. On regarde bien où on veut aller. Et on commence à redresser les roues. Ok. Pourquoi il faut redresser les roues relativement rapidement? Pour éviter justement cet effet de raquette qu'on peut sentir un petit peu de temps en temps. Ça va être souvent, je vais te dire, commence à redresser, ça va te paraître très très tôt, mais c'est obligatoire, parce que si tu es trop tard, tu as ce coup de raquette. Donc il vaut mieux être un petit peu en avance sur le redressage, plutôt qu'en retard. Ok. Ok. Allez, mais déjà, tu as les bons réflexes, ça se passe bien. Là, on va réessayer. Okay. Par exemple, la frein, je tourne. Yes, t'as vu quand t'as enlevé? Allez, enlève du volant. Regarde où tu veux aller. Ok. Je veux pas retourner ici parce que j'y suis allé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? J'ai un peu trop accéléré. Bravo. Et ça fait que ça. Tout à fait. J'ai perdu l'arrière. Tout à fait. Ton volant oriente tes roues avant, l'accélérateur donne l'angle de l'arrière. Si tu mets trop de gaz, l'arrière pivote tout de suite beaucoup plus. Ok. Donc. Allez. On va laisser passer. Yes. Monsieur, donc là par exemple, allez. Si j'arrive là, un peu de frein, coup de volant, enlève du volant, ok, regarde où tu veux aller et commence à redresser là, ok, là, contre-braque, redresse, ok, même chose, frein, un peu vite, et là le frein avant est saturé, allez, on va reprendre sur le prochain, yes. Alors tu vas faire une chose qui est extrêmement importante en pilotage automobile, c'est la base de tout. Il faut avoir ta position de conduite qui est bien adaptée, là c'est le cas. Ta jambe gauche, il faut que tu la cales sur la quatrième pédale, le cale-pied, repose-pied, de manière à avoir une tension dans ta jambe et ressentir au mieux ton véhicule. Ça évite de subir un petit peu ce qui se passe et ça te permet à toi de vraiment bien le ressentir. Okay, comme donc ça, ouais, là ta jambe gauche elle est trop détendue. Je pense qu'il faut vraiment que je la faut vraiment que tu aies une tension dedans. Ok. Donc là, bien à gauche. Ouais. Et bien appuyé comme ça. Bien appuyé, exactement, pour avoir en fin de compte le bassin et le bas de ton dos complètement calé dans le fond de ton siège. Ok. Ok. C'est très important et c'est la base du pilotage. Ok. Et oui, parce qu'on est sur circuit, en drift, on est quand même là pour piloter. Ouais. Il n'y a pas de course. Voilà, ce qui est bien, c'est aussi aux journées de Greg, journée circuit, il n'y a pas trop de monde. C'est génial. Et ça, c'est franchement top. C'est vraiment une très très bonne organisation puisque, voilà, pas énormément de monde malgré la forte demande. Hein, il nous l'a dit au briefing ce matin, il a beaucoup beaucoup de demandes. Frein, redresse. Allez, super. Regarde où tu veux aller, commence à redresser. Ok. Allez, du frein. Frein. Coup de volant. Enlève redresse. Ton volant. Et redresse. Ok. Tu vois, tu hésites encore à redresser et on le ressent. Même chose, ton frein, je pense que tu le gardes pas assez, tu n'es pas assez patient avec ton frein. Exactement, et on redresse. Ok, là c'est de la mise en dérive. Allez, redresse. Ok, là. Du frein. Au moment où je redresse. Allez, ah, ouais, voilà. Très bien. Trop de gaz. Donc là, on aurait carrément pu le rattraper. Okay.
si tu avais, au moment où elle a commencé à prendre un petit peu trop d'angle, ouais, tout simplement patienter. Okay. C'est-à-dire pas de gaz, pas spécialement de frein, patienter. Okay. Et là, la voiture, en étant complètement contrebraquée, hop, serait revenue très lentement. Okay. Et ça, la patience, je sais que c'est quelque chose, ouais, qui n'est pas évident. Et il va falloir s'entraîner. Ouais. Ouais. Mais là, là, j'ai bien compris, j'ai bien senti l'arrière se délester au moment où j'ai redressé les roues. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là, là où il faut justement, quand on redresse, mettre gaz et contrebraquer. Et contrebraquer. Parce que sinon, il y a aussi donc, ce qu'on appelle les power slides. Exactement. C'est juste accélérer. Tout exemple, à fait. Là, je mets juste gaz. Exactement. Et ça, ça, c'est beaucoup plus facile. On a une sortie de piste devant. Ça, c'est quasiment la technique qu'on voit systématiquement lors des journées ou les personnes qui souhaitent s'entraîner, donc au power slide, au gaz. On arrive dans notre virage, on tourne, on met du gaz et la voiture forcément pivote. On est sur une propulsion, on est sur piste arrosée, pas besoin de beaucoup de puissance. Hein. La voiture se met à glisser. Pour quelle raison on le fait plus en arrivant avec du frein? C'est que c'est, on est là pour apprendre à piloter, à maîtriser sa voiture. Le power slide, on a plus souvent tendance à avoir un déclenchement moins précis, tu vois. Et deuxième raison, c'est qu'on a un déclenchement qui est souvent plus tardif aussi. D'accord. Alors qu'en arrivant au frein, quand on a bien compris la technique, on peut se permettre de déclencher bien en amont du virage. Ouais. Comme on peut voir en drift. On peut s'inscrire comme on veut vraiment. Exactement. Ou certains en drift déclenchent 10, 15, 20 mètres plus si affinité. Ouais, avant le virage, et comme ça, ça permet de te placer où tu veux dans le virage. Tout à fait. Plutôt que de prendre, bah, comme on prend une trajectoire normale. Exactement. Et après, juste faire la sortie en drift. Donc c'est ça les power slides. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement plutôt gérer et apprendre à rentrer dedans. Tout à fait. Et faire ensuite ce qu'on veut, quoi. Et avoir une voiture stable et bien la maîtriser. Ouais. Ok. Bah, merci en tout cas. Bah, pour avec tout plaisir. Ça. Hein, il ne reste plus qu'à bosser. N'hésite pas. Travaille ça étape par étape. Pense à la règle de base, ta jambe gauche. Ouais, très important pour ressentir. Hein, c'est vraiment la base de tout. Il faut ressentir un petit peu ce qu'on fait dans le véhicule. Donc la jambe gauche bien calée. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait, il faut prendre son temps et quelque chose qui va vous sembler banal, mais pense à respirer. Hein. Okay. On est dans une discipline, c'est du sport automobile, chaque sport a sa propre respiration. En sport automobile également, il faut penser à respirer comme il faut. Okay. Donc, comme ça, ça permet d'être bien et exactement, de ne pas exactement s'inquiéter ou quoi que ce soit, être prêt à tout respirer, à fait, quoi. Fluide, propre, pense à ta jambe, décompose les étapes une à une, patience. De temps en temps, avec le frein, tu vas dire « Ah, oh, ça vient pas. » Et puis « Oh, bah d'un coup, ça y va. » Il faut être patient. Ok. Ok. Merci en tout cas. Eh bien, écoute, Nico, ça, c'est cool. Bon, bah, entraîne-toi. Et toi, puis, écoute. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez besoin vraiment d'une séance de coaching ou autre, bah, tu te déplaces partout en France? Ouais, complètement. Voilà, si vous avez besoin d'une journée d'un coach, avec bah, plaisir. Fred se fera plaisir de venir vous aiguiller. Donc, tu fais pas que du drift. Hein, tu non. fais drift, tu fais du grip. Tout à fait. De la glace aussi. Exactement, de la glace. Tout un voilà. petit peu discipline. Tout ce qui est pilotage. Ça. Tout ce voilà. qui est pilotage automobile, avec okay. grand plaisir. Voilà. Je vous remets son Insta ici, par là, là. Et bah, n'hésitez pas à le contacter. Et si vous avez besoin, bah, vous m'envoyez un message et je vous donnerai son contact au cas où. Ce sera avec plaisir. Voilà. Bon, bah merci. Merci Nico. Allez. Salut. Ciao. Donc, frein comme Fred a expliqué. Hop, je redresse. Ah oh, oui. Ça marche tellement ah bien. Oui. Ah oui. Ah oui. Tu vas passer vite. Frein, tourne, redresse. Ah oui. Oh là là, la fin de l'église était top là. Frein, je redresse. Deux jours. Tu redresses pas beaucoup. Bonjour monsieur Spinergy. Facile le drift. Ah yes Thierry.
Ouais, c'est cool comme ça à suivre à plusieurs, là, j'aime bien. Façon frein, virage, on relâche et ça emmène la voiture en glisse et après donc on contrôle hein, bien sûr comme une glisse normale. Donc pareil, on arrive, frein, on braque, au moment où on remet les roues droites, c'est ça qui entraîne la glisse. Et ça, c'est franchement la meilleure technique pour apprendre et ça, ça vous apprend à bien placer l'auto exactement où vous voulez et pas juste à vous laisser emmener grâce à la puissance. Ben voilà, c'était une super journée. En tout cas, on s'est bien amusé. Moi, j'ai appris pas mal de choses. La mise en dérive, donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est pas juste du power slide, c'est vraiment apprendre à bien maîtriser son véhicule, volant, frein, etc. Merci encore à Frédéric qui m'a donné un petit peu toutes ces techniques que j'ai appliquées du mieux que je pouvais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On essaiera de faire un petit peu plus de circuits et d'autres événements. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci.